L'une des mauvaises herbes rencontrées ici, c'est Mimosa pudica, donc la plante sensitive qui appartient à la famille des Fabacées ou des Mimosacées. Quand j'étais enfant, on adorait jouer avec. Donc, on touchait la feuille de mimosa et elle se refermait. Ce phénomène est d'ailleurs appelé en botanique la tique monastie. Donc, c'est vraiment un réflexe assez spectaculaire dans le monde végétal qui consiste en fait à la plante de se refermer comme ça en fait au moindre toucher pour pouvoir se protéger des prédateurs. Donc, c'est une plante qui est parfois utilisée par quelques sociétés traditionnelles comme chez les Mayas ou également en Afrique comme plante traditionnelle, comme plante médicinale, mais n'est pas énormément employée. Attention, la plante contient des alcaloïdes, donc elle est donc potentiellement toxique. Considérée comme mauvaise herbe, elle aussi, on a la passiflore fétide, donc Passiflora foetida, utilisée au Nigeria par exemple pour combattre les insomnies, au Brésil pour soigner les dermatoses inflammatoires, et en Inde, la plante est largement cultivée là-bas. Ils vont l'utiliser pour combattre les maux de tête, les vertiges, etc. Si tu as grandi en Afrique, tu as probablement mangé, sucé ces fruits quand tu étais enfant. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Donc, c'était quelques plantes sauvages, quelques mauvaises herbes qui ont des propriétés médicinales toutefois. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.